João Paulo Príncipe, Universidade de Évora, é isso? Yes, from the University of Évora. Should discussions in the philosophy of science ignore history of science? My presentation will be in French, but the argument is very simple. It's essentially, I take an example by based on a recent book, 2009, important book on the history of atoms, and I try to show that because of the philosophical position of the author, there is some lack of historical meaning in that book. So, ma présentation, elle est structurée avec une petite introduction, deux parties et une petite conclusion. Introduction. Donc. Le savant néerlandais Van Mensen, à la fin de son histoire des atomes, from atoms to atoms, traduction anglaise, nous a laissé quelques remarques philosophiques et conclusions générales. Pour lui, les conceptions atomistiques ont fait partie, à travers les âges, ce qu'il appela le fond philosophique, background, des scientifiques, constituant une couche de croyance inconsciente, une sorte de thémata au sens de honte. Quelquefois, ces convictions ont été l'objet d'une réflexion consciente et approfondie, en devenant par là des convictions philosophiques. Van Mensen admet qu'on puisse diviser schématiquement cette histoire en deux périodes, la première étant essentiellement philosophique et la seconde de nature scientifique, avec une période de transition entre les siècles XVII et XIXe. Cependant, Van Mensen juge que cette division ne permet pas de saisir l'essentiel de l'évolution des conceptions atomiques, car les atomes appartiennent à une classe de préjugés d'origine philosophique sans lesquels les sciences physiques seraient incapables de se constituer. Or, il croit que ce fond reste actif dans l'intellect des scientifiques qui ont développé des théories atomiques après 1800. Par contre, un ouvrage récent tranche nettement entre les deux versants que Mensen jugeait constituer un tout évolutif et complexe. Le titre de l'ouvrage de Alan Chalmers, publié en 2009, met en évidence nettement la distinction et la discontinuité entre deux discours ou attitudes. The scientist's atom and the philosopher's stone. How science succeeded and philosophy failed to gain knowledge of atoms. Chalmers juge que les hypothèses philosophiques ne peuvent qu'être accommodées par l'expérience savante, ce que les distingue des théories scientifiques à part entière, puisque les dernières peuvent être confirmées directement par l'expérience. Un exemple majeur d'une telle hypothèse philosophique, c'est l'atome insécable des philosophes dont la conception remonte aux idées de Démocrite. Dans cet ouvrage, paru il y a 4 ans, après un chapitre à allure épistémologique dans lequel il fournit des critères permettant de trancher entre les deux domaines, Chalmers raconte avec détail l'histoire des atomes depuis l'Antiquité jusqu'au XXe siècle et arrive à la conclusion qu'il a fallu attendre la fin du XIXe siècle pour qu'on puisse trouver une version vraiment scientifique de la théorie atomique. Cette conclusion n'est pas si différente de celle du sens commun, scientifiquement renseigné, du début du XXe siècle, lequel voyait dans les expériences de Jean Bérard sur le mouvement brownien la preuve finale et décisive de la réalité moléculaire. Dans le chapitre sur l'histoire de la physique des atomes pendant le XIXe siècle, Chalmers ne considère que la théorie cinétique de Clausius, Maxwell et Boltzmann, et souligne les anomalies de cette théorie, en particulier le problème des chaleurs spécifiques. Tout son argument est biaisé dans le sens de mettre en valeur le contact expérimental avec les atomes en oubliant d'autres fonctions scientifiques associées à l'hypothèse atomique. Mais en tant qu'ouvrage qui veut arriver à des conclusions philosophiques en partant de l'histoire des sciences, il est difficile à comprendre pourquoi il restreint l'histoire des atomes des physiciens au XIXe siècle à la théorie cinétique. Van Mensen l'avait fait aussi à la fin des années 1940, mais à l'époque, les historiens des sciences n'avaient pas encore étudié le riche territoire de la physique moléculaire laplacienne, dont les réussites scientifiques sont indéniables. Après les travaux de Catherine Guinness, Robert Fox, John Abram, Bruno Bellos et Olivier Daribol, entre autres,
il y a un matériel assez riche aussi du point de vue de la philosophie des sciences, lequel, curieusement, avait été cité par le savant philosophe Émile Meyerson dans son « Réalité et identité », ouvrage paru en 1907. Dans ce qui suit, j'illustre ce qu'on peut en profiter pour une philosophie des sciences consciemment non empiriste. Partie dont le titre est « Les atomes, centres de force dans le cadre de la tradition de physique moléculaire ». Vers 1870, les savants français commencent à s'intéresser à la théorie cinétique des gaz dans la version de Robert Clausius. La réception de la première théorie cinétique des gaz se fait dans des cadres conceptuels dominés par la tradition de physique moléculaire issue de Laplace et de la tradition opticienne issue de Fresnel et de Cauchy. Ces deux traditions partagent une ontologie moléculaire où tout s'explique en postulant l'existence d'atomes ou de molécules centres de force. Vers 1870, ces traditions avaient porté de nombreux fruits dans les domaines de l'élasticité, de l'hydrodynamique, de la théorie de l'éther élastique, etc. Elles permettaient une cosmovision assurant la cohérence entre les différentes théories, la mécanique céleste ayant un rôle d'archétype. Elles bénéficiaient de l'autorité intellectuelle des grands maîtres comme Newton, Laplace, Fresnel, Ampère, etc. Elles avaient une traduction institutionnelle renforcée par le caractère centralisé et hiérarchisé de la communauté savante française. Ces traditions étaient contemporaines d'une attitude d'agnosticisme théorique issue notamment des travaux expérimentaux et des conceptions de Henri Regnault, lequel ne niait cependant pas l'ontologie moléculaire. Pour Laplace, les molécules étaient polyétriques et entourées par des fluides impondérables qui interagissaient par des forces à distance. En adoptant l'hypothèse moléculaire, Laplace a été motivé, entre autres arguments, par la croyance que la compressibilité impliquait la porosité. Le schéma explicatif général des explications de la physique moléculaire peut être aisément compris en regardant les calculs de Laplace pour la capillarité ou pour l'équation d'état des gaz, déduite d'après l'hypothèse du calorique. Dans la sphère d'activité d'une molécule, on trouve assez d'autres molécules pour qu'on puisse calculer l'effet des interactions en remplaçant des sommes discrètes par des intégrales. Les forces intermoléculaires deviennent insensibles à des distances sensibles, ce qui permet de substituer les limites d'intégration finies par des limites infinies, la valeur des intégrales ayant donc un caractère à peu près universel. Laplace et ses continuateurs qui ont développé la mécanique des milieux continus, n'utilisaient pas souvent des sommations discrètes sur des molécules, celles-ci étant substituées par des intégrales, dont les éléments de volume contenaient un grand nombre de molécules. La principale prévision qui permettait de distinguer l'approche moléculaire de la théorie de l'élasticité de l'approche concurrente basée sur le continuum était la diminution du nombre de constantes élastiques indépendantes. L'ontologie atomistique était aussi motivée et justifiée par un argument scientifique assez pertinent, lequel avait été formulé par Poisson, aussi par Cauchy et par Ademar Faré de Saint-Venant. Par exemple, Saint-Venant avait démontré en 1844 que l'existence de tensions de cisaillement est incompatible avec un continuum laplacien. Il est assez connu qu'Avogadro en 1811 et Ampère en 1814 énonce l'hypothèse sur la proportionnalité entre les volumes des gaz et leur nombre de molécules. La mathématisation mise en œuvre par Ampère pour sa théorie de la combinaison chimique nécessite une claire distinction entre atomes et molécules d'une part et entre mélange et combinaison d'autre part. Mais Ampère ne s'est pas limité à ces spéculations chimiques basé sur des conceptions atomiques. Pour lui, l'ontologie atomiste constitua une cosmovision. André-Marie Ampère, par exemple, dans son mémoire de 1835, sur la chaleur et sur la lumière considérée comme résultant de mouvements vibratoires, fait la distinction entre particules, molécules et atomes. Les atomes sont des points matériels, centres de force. Ils s'assemblent en formant des molécules, une forme polyédrique, les atomes occupant en général des sommets.
Les atomes sont toujours tenus à distance par les forces propres des atomes et peuvent vibrer autour de positions moyennes. Les molécules vibrent elles aussi, mais on doit distinguer les deux types de vibrations. Je cite Ampère. C'est aux vibrations moléculaires et à leur propagation dans les milieux ambiants que j'attribue tous les phénomènes du son. C'est aux vibrations atomiques et à leur propagation dans l'éther que j'attribue tout ce de la chaleur et de la lumière. Les particules sont des assemblages d'un nombre assez grand de molécules entourées d'éther et en constituant cependant des portions infiniment petites des corps qui ont encore la même nature que. Voilà. Une autre partie mettant en rapport les atomes et l'invention et la découverte de la conservation de l'énergie. L'atome du père Poskovitch, lequel a été adopté par Ampère, est très attirant pour ceux qui veulent réduire la mécanique des systèmes conservatifs à la mécanique des bons matériels centres de force. Cela n'a pas été fait par Ampère, qui s'intéressait surtout à la théorie ondulatoire de la chaleur. Cependant, dans un mémoire de 1832, Ampère a défini la force vive du mouvement vibratoire comme la somme de deux termes, lesquels correspondent à notre énergie cinétique et à notre énergie potentielle. Ampère a été le premier à énoncer la constance de cette somme pour un mouvement vibratoire modélisé par l'analogie avec un système de diapason dans le vide. Comme Olivier Daricole a souligné dans son article de 2001, parmi les raisons justifiant l'introduction du concept d'énergie au XIXe siècle, la croyance à la réduction de tous les phénomènes à ce qu'on appelle de nos jours la mécanique des systèmes conservatifs a joué un important rôle dans les formulations d'un principe de conservation générale fait par Adhémar Barré de Saint-Venant vers 1830 et par Helmholtz dans son mémoire de 1847. Cette raison a été un peu oubliée par les historiens qui ont ignoré le fait que la mécanique de D'Alembert était non conservative en traitant les mouvements assujettis à des contraintes et en considérant surtout les chocs durs. Par exemple, D'Alembert considérait comme évident qu'un corps dur se mouvant en direction à un obstacle plan annule soudainement la composante perpendiculaire de sa vitesse. Les traités de D'Alembert et de Lagrange ont été le paradigme de la mécanique rationnelle propagée par les géomètres Laplace et Poisson, au moins jusqu'aux années de 1820. Le raisonnement fait par Saint-Venant vers 1830 vient dans la lignée du principe des forces vives de Leibniz. La conservation de la force vive dans un système mécanique isolé est justifiée par Leibniz par un argument théologique et par l'impossibilité du mouvement perpétuel. Saint-Venant n'est pas habituellement cité comme étant un des premiers à énoncer le principe général de la conservation de l'énergie. Cela est dû au fait que le mémoire qu'il a présenté à l'Académie des sciences vers 1828 n'a pas été publié, mais ce mémoire contient explicitement l'idée que la somme d'énergie cinétique et de l'énergie potentielle est une constante pour l'univers. Cet univers est en accord avec la cosmovision laplacienne. Dans les formulations postérieures, Saint-Venant abandonne les molécules étendues de Laplace en les substituant par une conception plus simple, celle d'un univers constitué par des points matériels centres de force. Son argumentation est aussi motivée par un accent théologique favorisant l'idée de permanence. Puisque dans le cadre de la physique laplacienne, d'autres savants comme Navier ou Coriolis ne pouvaient que trouver naturel le raisonnement mécanique de Saint-Venant, la préférence par l'idée de conservation et de permanence, laquelle est mathématiquement équivalente à celle d'échange entre les deux formes d'énergie, ne semble pouvoir se justifier que par un penchant métaphysique, lequel est introduit par des arguments théologiques. Dieu étant le créateur et conservateur de toutes les choses, d'accord avec Saint-Venant. Maintenant, petite conclusion, combien de temps j'ai encore? 3 minutes. Voilà.
Bien que Max Jammer et Chalmers ne reconnaissaient pas assez l'importance historique de l'atome de Boscovitch dans l'évolution des sciences physiques au XIXe siècle, les adeptes de la physique laplacienne lui ont donné un rôle central, soit dans leurs travaux en mécanique physique, soit dans les théories de l'éther lumineux, soit dans la formulation de la conservation de l'énergie. Ces idées, qui après sont développées par exemple par Joseph Poussinet, qui est même réfléchi dans un point de vue philosophique, et est mis en rapport avec des considérations sur le rôle de la géométrie euclidienne, un argument de similitude qui est fondamental pour séparer et montrer la spécificité de la géométrie euclidienne par rapport aux récentes géométries non euclidiennes. Bon, toutes ces idées, elles restent dans le background, comme l'appelait Van Melsen, des physiciens français. Et ces idées, elles restent et sont présentes, par exemple, dans l'esprit de gens comme Marcel Bruant, lequel sera, à la fin du XIXe siècle, un des paladins des conceptions atomiques en ouvrant la physique française aux innovations des Anglais et des Allemands comme Maxwell et O. Helmholtz. Ces savants pourraient à peine, les physiciens pourraient à peine comprendre l'idée d'un atome des philosophes qui était strictement autre que la conception qui inspirait les physiciens. En résumé, comme Émile Meyerson, avec lequel sont les sympathies de Van Melsen, l'a souligné il y a plus d'une centaine d'années, il faut ne pas tomber dans le piège empiriste en dévalorisant la quête de la causalité et du postulat de l'identité dans le temps comme une partie intégrante de notre raison. Cela peut produire un lapsus freudien consistant dans l'effacement d'une partie de l'histoire réelle par des raisons de convenance dans l'argumentation. Je finis donc avec une citation de Meyerson. De là aussi l'illusion si fréquente chez les savants et même chez quelques philosophes qui prétendent distinguer la conception atomique spéciale à une partie de la science comme vérité expérimentale de la théorie atomique générale qualifiée d'hypothétique, voire même l'ensemble des théories atomiques modernes de celles des anciens, alors qu'il est facile de s'apercevoir qu'en réalité toutes ces conceptions se tiennent, qu'il y a entre elles une véritable communauté de fond. Merci.